Coucou les gens, alors désolé pour le décor de derrière, mais je suis dans mon salon et je vous fais une petite vidéo ici parce que dans ma chambre il fait super chaud parce que c'est en plein soleil et tout ça, donc c'est impossible de filmer. Donc je vais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté beaucoup de trucs aujourd'hui. Donc je vais commencer. J'ai été à Fabiolucci, j'ai acheté un vernis. J'ai aimé Maybelline, c'est collection néon. Et je l'ai pris en rose. Donc voilà. Et en fait, si on achetait un produit, on en avait un deuxième gratuit. Donc j'ai pris un Baby Lips bleu. Qui est comme ça. Hop. Et j'ai acheté un brûleur. Parce que j'ai vu dans les magasins Yankee Candle et tout ça, les brûleurs, ils sont super chers. Et on a juste le brûleur. Et en fait, moi, j'ai acheté le brûleur. Et en fait, on m'offrait une petite tartelette à la vanille avec. Bon, c'est pas Yankee Candle ni rien, mais bon. Et j'ai eu la petite bougie aussi pour justement faire le brûleur. Donc voilà. Et je l'ai payé 3,99 € à Fabiolucci. Et il y a plein d'odeurs tartelettes différentes. Après, je vais faire. Cashland, j'ai acheté Annabelle à 9,99 € parce que j'ai Conjuring et pour moi c'est un peu la suite, même le avant le Conjuring, donc voilà. Je l'ai pris. Et après, je devais acheter mon livre France Loisirs, donc j'ai acheté Digger 1. Je devais acheter le dernier tome du Labyrinthe, mais il l'avait plus, donc je me suis lancée dans Digger, vu que j'en ai entendu beaucoup parler et ça m'intéresse beaucoup. Et après, par contre, j'ai à côté de chez moi, j'ai une braderie. Donc, j'ai un peu fait un craquage. Pour 1 euro, j'ai eu deux livres. Donc, j'ai eu Somerset Abbey, Les Héritières. Il est tout neuf. Vraiment, il a pas de coup. Donc, voilà, j'ai hâte de le lire. Pour ma mère, je lui ai pris. Mes parents font des SMS. Ma mère, elle l'avait déjà lu à la bibliothèque, elle avait adoré, donc je lui ai pris. C'est super marrant. Et après, j'ai vu une fille qui vendait des mangas. Et elle les vendait 3 euros pièce. Et je me suis pris Switch Girl. En fait, au départ, j'ai pris Switch Girl à 3 euros, tout seul. Parce que j'avais plus assez et. Et voilà. Et ils sont tout neufs ces livres. Hein. Vraiment, je crois qu'elle les a lus une fois et après. Donc voilà, Switch Girl 1. Je l'ai déjà lu, mais je veux faire la collection parce que franchement, j'adore ce manga. Donc voilà. Et après, elle vendait les trois premiers tomes comme elle. Alors en fait, ben, je suis retournée chez moi. Je lui ai demandé si elle pouvait me les garder. Et elle a bien voulu. Et en fait, normalement, elle vendait les trois 9 euros. Et elle me les a fait 8, les trois. Donc je me suis dit, ouais, pas de problème. Hein. Même 9 euros pour 3, un seul, c'est 6,90 je crois, un manga. Donc il n'y a aucun problème, quoi. Donc voilà. En plus, ça fait super beau, j'ai l'impression. Ils ont des couleurs pastel, ça fait super beau. Donc voilà en livre. Après, j'ai pris des DVD. Alors, pour 1 euro, j'ai eu Le Jour d'après. Alors, je l'ai déjà en DVD. Le problème avec le mien, c'est que mon lecteur n'arrive pas à le lire. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de film sur le DVD. Après, il y avait une femme pour le CHR de Lille, c'est un hôpital. Elle vendait des choses pour essayer de faire un peu des dons et tout ça. Et en fait, j'ai pris les premiers, les Schtroumpfs, à 3 euros. Donc pour un DVD, je trouve que ça va. Après, il y avait un monsieur. Ils vendaient tous ces DVD à 50 centimes. Donc j'en ai pris 4. Ils sont tout neufs. Les DVD n'ont aucune griffe. Donc quand on voit 50 centimes et qu'un vrai DVD, même s'il est vieux, c'est 10 euros. Donc je me suis dit, autant en profiter s'il y en a que je trouve bien. Donc pour ma mère, j'ai pris deux DVD de films d'horreur. Le premier, c'est Memory. Et si le tueur était en vous? J'adore en plus les pochettes. Mais on dit pour ma mère, mais en fin de compte, quand je vais partir chez moi, c'est moi qui les aura tous. Donc, j'ai une grande bibliothèque. Donc, voilà. Après, j'ai pris Ricoeur, Inspirer le mal, Expirer la mort. Ça, c'est plus gore, je dirais, que horreur.
Mais je suis assez dans cet esprit-là de film gore et tout ça, genre Saw et tout ça, j'adore donc. Celui-là, j'ai peut-être le regarder. Après, mes nièces à chaque fois, enfin, ouais, mes nièces, hein. À chaque fois, elles m'embêtaient pour que j'essaye de l'avoir pas trop cher. Et en fait, ben, il est encore à 9,99 € dans les magasins et tout ça. Et en fait, ben, il vendait 50 centimes, aucune griffe, tout neuf, la pochette, elle a rien du tout. Voilà. Donc, j'ai bien fait d'attendre, on va dire. Et après, celui-là, j'adore ce film. Je l'avais vu à la télé, je l'avais pris à la bibliothèque et tout ça. Et puis pareil, au magasin, il est toujours à 9,99 €. Et là, j'ai eu à 50 centimes. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien les braderies parce que je profite à fond de ce qui est super cher dans les magasins. Après, j'ai pris deux vernis. Bon, les bouchons, on m'en fout un peu. Ceci. Ça, c'est un marron avec des couleurs, avec des reflets et des paillettes. Et celui-là, c'est un rouge. Et j'ai eu les deux pour 1 €. Donc voilà. J'aurais bien voulu en prendre plus, mais je préfère essayer parce qu'ils me font un peu peur niveau couleur et tout ça. Après, à chaque fois que je vais aux braderies, mais vraiment à chaque fois, il y a des gens qui vendent des jouets et à chaque fois, ils ont des cartons remplis de Pet Shop. Et à chaque fois, je fais, oh j'en veux, j'en veux, j'en veux. Parce que j'aimerais bien faire une petite collection et poser comme ça devant mes livres ou devant mes DVD, tout ça. Et j'ai craqué pour une fois. En fait, ma mère, elle était pas là pour me dire non, mais ça fait bébé. Donc, en fait, quand ma mère, elle est pas là, ben, je craque. Pour tout et pour rien. Donc, voilà. Alors, j'ai un petit toutou. On dirait plus un. Je sais pas, non, un petit chien, je dirais. Moi, j'adore, c'est leur petite tête qui bouge. Donc, voilà, un petit chien. Mais en fait, je sais pas parce que pour moi, le petit chien, c'est lui. Peut-être qu'il y a plusieurs chiens, hein. Bon, c'est pas grave. Et ils sont trop beaux, quoi. Ils sont comme neufs, hein. Après, bah ça, voilà. Je vais vous montrer ceux aux mêmes personnes. Ça, c'est les trois là, c'est aux mêmes personnes. Hop, on dirait un genre de petite araignée. Et après, j'ai appris ça à un autre monsieur. Là, c'est un genre de petit lézard. Et là, j'ai pris la petite tortue. Alors, j'ai l'intention de, même si ma maman elle est là aux autres braderies, d'en prendre pour maintenant. Hein. On est parti, autant y aller. Donc voilà. Donc j'en ai pris 5 pour l'instant. Donc je verrai bien. Et après, il y avait une jeune fille qui vendait des t-shirts. Et moi j'adore tout ce qui est dessin, animé, tout ça. Et en fait, elle vendait 1 € le t-shirt. Et vu que c'était ma taille, je me suis dit, allez, fonce. Hein. Alors j'ai pris Homer Simpson. Avec Marge et tout ça et ses enfants, Bart et Lizzie. Non, c'est pas Lizzie. Comment elle s'appelle déjà? Et après, je connais pas du tout, c'est Anna Barbara. Barbara. Je connais pas du tout. Et après, j'ai pris ceux-ci. Ils sont trop beaux. Bah, moi, j'adore les t-shirts comme ça, donc pour 1 €, tu les laves, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai craqué. J'ai craqué mon slip. Donc pour tout ça, voilà. J'ai craqué. Total. Ma maman, elle est pas là, elle m'a dit, hey, il y a une braderie au fait. J'ai fait, oh, bon, j'y vais. Donc voilà. À plus pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de zoubis.